Shalom, 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 bien-aimé de Dieu, shalom à toi, porteur de grâce, toujours en unisson de cœur et d'esprit avec nos anges et tous les saints et saintes du ciel. Encore une joie de nous retrouver, un privilège encore de pouvoir nous tenir debout en ce matin encore pour encore magnifier, pour louer, exalter et célébrer le roi des rois. L'éternel Dieu des armées, celui pour qui je vis, celui pour qui tu es, celui pour qui tu respires en ce matin, celui pour qui tu marches en ce matin, celui par qui tu peux toucher, celui par qui tu peux parler, tu peux voir, entendre, celui par qui ton cœur bat en ce matin. Alors un privilège de le magnifier, de lui dire le merci de notre cœur. Ce Dieu-là qui se lève encore en ce matin pour toi et pour moi. Ce Dieu-là encore qui se lève en ce matin pour ta maison, pour ton foyer, pour ton travail. Ce Dieu-là encore qui se lève en ce matin et qui brandit encore son bras puissant sur ta vie. Ce Dieu-là qui est excellent, qui est merveilleux. Ce Dieu à qui nous voulons tout simplement laisser notre cœur parler en ce matin. Parce qu'il n'y a point d'autre comme lui. Il est inégalable. Voilà pourquoi, éternel Dieu des armées, en ce matin, sois magnifié, sois loué, sois célébré et exalté. Ce matin pour toi et pour moi, particulièrement pour toi qui crie encore, particulièrement pour toi qui pleure encore en ce matin. Il se lève dans ta vie, il se lève maintenant dans ta vie et de sa droite triomphante, il vient dissiper tout ce qui est ténèbres. Il vient dissiper tout ce qui était obscurité dans ta vie. Il vient éloigner de toi tout ce qui était ténèbres. Éloigner de toi tout ce qui était mensonge. Éloigner de toi tout ce qui était peur, tout ce qui était mélancolie. Éloigner de toi tout ce qui était tristesse encore. Tout ce qui était récrimination encore dans ta vie. Il vient de sa droite triomphante.
pour éloigner tout cela de ta vie. Alors lève-toi et proclame haut et fort, mon Dieu s'est levé pour moi. Mon Dieu s'est levé dans ma vie. En ce matin particulièrement, Dieu se lève dans ta vie. Que tu le crois ou non, Dieu se lève dans ta vie. Le bon berger se lève dans ta vie. Le bon pasteur se lève dans ta vie. Le ressuscité du troisième jour se lève dans ta vie. Et pour toi, femme, qui craignant encore pour ton foyer, Jésus se lève encore dans ta vie. Il vient redonner un autre souffle à ton foyer. Il vient redonner un autre parfum pour ta maison. Un autre parfum pour tes enfants. Un autre parfum pour toi et ton époux. Alors n'aie crainte et accueille-le tout simplement. Accueille-le tout simplement. Mon Dieu s'est levé. Je ne cesserai de bénir le nom de l'époux de mon âme, le sauveur de ma vie. Je ne cesserai de proclamer ses hauts faits parce qu'il a tant fait du bien dans ma vie et dans ta vie et dans ta maison. Voilà pourquoi en ce matin, il vient encore te prendre. Il vient tout simplement te prendre dans ses bras pour te consoler et te dire tout simplement, mon enfant, je suis avec toi. Je suis avec toi. Et je veux tout simplement qu'à cet instant où tu m'écoutes, que tu puisses véritablement être dans ce moment d'étreinte avec le Seigneur. Laisse-toi tout simplement prendre dans ses bras, parce qu'il se lève véritablement pour toi. Il se lève véritablement pour toi. Sèche tes larmes, car Dieu s'est souvenu de toi. Il s'est vraiment souvenu de toi. Et c'est dans cet élan d'amour, d'allégresse et de joie que je te souhaite encore de passer une agréable journée, toujours dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, accompagné de tous nos anges gardiens et de tous les saints. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Journée bénie à toi.